Salut les gars. Vous avez bien vos petits pyjamas? Oh, il est mignon quand même. Genre marinière qui sent l'urine à plein temps. Ah, c'est compliqué ce matin, c'est compliqué ce matin les gars. 6h30 du matin, et ouais les gars. Je suis un homme nouveau finalement. La question c'est pourquoi se lever aussi tôt dans une carrière comme la mienne. J'ai envie de tenter un truc, tu vois, ça m'a tenté. C'est d'aller à la plage pendant le coucher de soleil, tu vois. Ça peut être pas mal du tout, gars. Non, le coucher de soleil, mais tu m'as entendu? Attends, tu rigoles ou quoi? Le lever de soleil. Et avant tout ça, je voulais vous emmener dans un spot que j'ai trouvé au-dessus de chez moi. J'ai trouvé un spot, les gars. Genre, lever de soleil, je me prépare, je me fais tout beau, au top. Après, je vous emmène dans mon spot, les gars, que j'ai trouvé. Les gars, il est fabuleux. Et après, on se prépare. Playa, voiture. Parti pour cette aventure. On fait ça? Allez. On va laver un peu cette horreur. On fait ça. Allez, ciao. Roté gros. Ça sent trop dans la bouche. Ça sent trop. Super. What the dog doing? Ouais. Alors, on aime bien ce petit style un peu détente. Moi, j'adore ce style. Attends, tu rêves ou quoi? Dites ce que vous en pensez. Là, il fait déjà un peu jour. Ici, là-bas, et bah c'est Barcelone. Et si je vous dis que juste là-haut, et bah écoutez, les gars, on peut voir Barcelone, on peut voir tout. Et je me dis coucher de soleil, en même temps, je vous parle et tout. Mais au top, on est au top, on est au summum, les gars. Et on va chercher qui? Toujours les mêmes. Michou, Master Batman. On va les chercher, mon gars. Faut que déjà j'escalade. Je vais voir déjà ce que ça donne en haut. Personne escalade, mon pauvre. Regardez-moi ça, les gars. Ah, c'est magnifique, hein, ce que je vous ai proposé. J'espère que vous aimerez bien. Déjà, toute une chose, hein, pas mal. Toujours le français, mais au top. Je suis au top, je vous lâche pas sur ça. Pourquoi ça? Pourquoi cet outfit? C'est clair pourtant. Et simplement parce que... Laissez-moi voir mes commentaires YouTube. Parce que aujourd'hui, je crois qu'on va faire un classement des commentaires. Et je crois que... Antoine, je sais que tu vois la vidéo. Ça va sûrement être triste. Je sais que tu es un homme très sensible, mais tu t'es fait dépasser. On a trouvé une reine des commentaires, les amis. Et on va la lire tout de suite. Nous avons Emmanuel. Je peux lire le premier, les amis? Quand est-ce que tu ne fourres pas ta main dans ton froc? Déjà. J'adore ça, c'est pour ça que je le fous toujours. Je pense qu'il faut entretenir une bonne relation entre ses couilles et... Ouais, entre ses couilles et sa main, c'est important. Mais toi, tu es une fille, tu ne peux pas comprendre. Je n'ai jamais vu une si petite ardoise avec... Elle n'est pas plus petite. Hein. Quelle journée productive, et je te remercie. C'est souvent ça, mes journées. J'apprécie la spontanéité, tu sais, tout autant que nous, le spectacle que l'on va que l'on s'apprête à avoir. Quand on regarde une de tes vidéos. Me voilà conquise. Déjà, on est content. Là, on sent une Manu très sympathique. Très sympathique, cette Manu. Tes beaux cheveux m'irritent. Oh ouais, la vache. Oh, le paillasson, gros. On veut un Z qui prend soin de lui. D'où l'outfit, les gars. C'est en fonction de toi, Manu. Bon, un outfit très chill, hein, parce qu'on va vite se changer. Hein. Te prends pas trop la confiance.
meuf. Et hein, tu prends pas trop la confiance, meuf. On veut un Zach qui prend soin de lui, romantique, philosophe. Oui, c'est vrai que philosophiquement, j'ai pas mal. Et romantique, vous m'avez pas vu encore les filles, c'est top aussi. Détenteur d'une ardoise, serais-tu l'homme parfait? Je sais pas quoi te dire, c'est ce que j'essaye de montrer à tout le monde en fait. Le chemin vers l'homme parfait. Mais j'ai l'impression que qu'on n'arrive pas à le voir, du haut de mes... 1m20. Et ce legueux immonde, tu es le sosie de Jacouille. Bon, du coup, la Manu, on rigole beaucoup moins. Là, on est vraiment... C'est dommage d'en venir là, parce que Jacouille, je l'adore, hein, regardez-le. Il est mignon comme tout, Non mais il est au top, Jacques. Mais bon, je suis un peu mieux quand même les gars, non? Comment le montage peut te prendre autant de temps, mes mecs? Déjà, parle mieux de montage, gros mec, c'est un travail énorme. Gros big up à mes cartes graphiques, Hein? À mes bouffeurs de cartes graphiques. Je l'ai, mais faut l'avoir, attends, tu rigoles ou quoi? Je me dois de souligner l'investissement, un bel espoir de YouTube, moteur de la génération Z. Dernier vlog, elle me dit pas d'ardoise, je le regrette. Merde! C'est vrai que l'ardoise, beaucoup m'en parlent. Elle est mignonne comme tout, elle est splendide, elle est au top. Je comprends. Mais toujours un plaisir de te voir à l'écran. Pas de pression sur la publication de vidéo. On veut un Zeb qui enjoy. Homme sportif, organisé, productif, une vraie inspiration. Oh, la grande classe. Non mais, attendez. Tu veux rire ou quoi? La grande classe, gros. Merci pour tout, Manu, pour ces commentaires. Mais la reine est là. Le jacouillant. On est là pour me complimenter, ok? Merde. Les amis, bienvenue dans mon antre secrète, du coup. Je vous explique. Ici, c'est un étendoir, les gars. C'est l'étendoir du bat. Et je le savais, ça, attention. Mais sauf que j'ai perdu les clés, du coup, je pouvais plus aller. Qu'est-ce que Nolan a fait? Nolan a réfléchi. Et vu que Nolan est un grand gymnaste, hein. Non, mais les gars. Du coup, j'ai décidé d'escalader ce petit truc. Pour ensuite me retrouver ici. Et c'est là que j'ai trouvé la pépite, les gars. Après, il faut grimper tout ça, mais je vous ai dit, ça, c'est l'escalade, c'est tout moi. Tout ce qui est sportif, domaine sportif, ça me... J'y m'y retrouve, en fait. Bah, vous l'avez vu dans... Sûrement dans les pompes, c'était... Même moi, dans le replay, je me revoyais faisant mes pompes, j'étais en mode, waouh, c'est du grand niveau, nono. Je vous emmène directement en bas, là, faut que je saute. Bon, les gars, j'ai réussi à descendre grâce à mes talents. Et je tombe sur cette merveille, les gars. Sur ce plateau qui s'offre à moi. Un grand plateau, vu par personne, devant notre belle favelas. Au top. Je m'aventurerai devant pour voir un peu. Ta gueule, gros. La piscine. Ta gueule, gros, dans notre bat, y'a pas de piscine. M'a jamais invité, gros. Ah, je ramène mon slip, tu rigoles ou quoi, attends? Et je ramène tout ce qu'il me faut, les brassards et tout, et attends, mais on va se baigner ensemble, les frères. Putain, ces salauds de bouffeurs de paille, là, sérieux. J'espère que vous avez aimé ce bon truc. Je fais un dernier plan comme ça. Et on se retrouve à la plage, les gars. 7h32. Allez, les gars. Tchuss. Oh, les gars. La transition, t'as peur, gros. On est bien arrivé à la plage, vous l'aurez remarqué. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Les gars, vous l'avez sûrement vu, mais je suis pas tout seul. Je voulais pas vous l'annoncer tout de suite, mais voilà. Regardez cette beauté. Oh, putain. On lui a chié dessus, gros. La mignonne. La mignonne. C'est un gros titine, gros. La subie titine. Putain, la vache, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les pigeons? Mais gros, il a chié le chewing-gum. Oh, il a chié le pétrole, gros. La pauvre. On ferme ça. Allez, à tout à l'heure, titine. Les amis, si aujourd'hui j'ai un gros sac à dos, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, on va faire un truc qui me tient vachement à cœur parce que j'adore cette pratique. Je suis... Bon, je suis pas le meilleur, hein, non, loin de là. Je suis médiocre même, je dirais ça, oui. Le roller, les amis. Le roller m'a appelé aujourd'hui, m'a dit, gars, c'est aujourd'hui, c'est what. On se prépare et vas-y, on teste nos capacités de roller. On enlève les grolles. T'es choqué de l'odeur, gros. Ça sent le zeb, une odeur immonde. Je t'ai sorti un outfit de skater. J'ai pas le droit de me louper là devant les gens. Franchement les amis, on va tester déjà nos capacités de rollerman. Qu'est-ce qu'il fait, gros? Il s'arrête. Ah mais il veut une photo, je crois. Bon les gars, je vais vous laisser, je prends une photo avec l'abonné. Ta gueule. Oh, c'est une mauvaise maîtrise déjà. Je gère d'enfer. Oh ouais. Le seul truc avec le roller, c'est que je sais pas comment freiner. Parce qu'on t'a foutu un crouton derrière là. Mais moi j'arrive pas, gros. J'ai vu une vidéo YouTube où il freine avec les roues en mode vertical, tu vois. Ta gueule. Ah. Oh, ce créateur de contenu que je suis, mais nom de Dieu. Regardez-moi. Oh la vache. Je vais si vite, gros. Moi je sais pas freiner, frère. Oh, qu'est-ce que je suis bon dans les sports. On va vers la gauche. Vous attendez pas que je me casse la gueule, hein. Je suis bien trop fort pour me casser la gueule, hein. Allez, on va vers la gauche pour aller vers la droite après. Du coup, là, on regarde ce qui se passe et on se tient au courant, les gars. Oui. Moonwalk.
déjà mon âge? Mon jeune âge? Comme ma bonne vieille habitude, je vais essayer de rouler et de lire les commentaires. Si j'y arrive, bien sûr. Attends, oh oui, la bouche d'égout. Donc on va diriger tout de suite vers l'espace commentaire. J'appelle Elrico. Hein. Il me dit quoi? Une vidéo qu'on attendait tous. Encore une vidéo avec de l'ambition. De... Putain, sur la qualité de montage. Et de contenu. Putain la vache! Ouais, contenu. Ah, merci, yo. Toutefois, un peu déçu de ne pas être lu dans cet espace commentaire. Mais Elrico, c'est. La vidéo, elle avait tourné avant que tu sois dans. Ah, t'as compris, c'est bon, Nita. Petit conseil pour les pompes, descend. Oh là, alors là, je m'arrête tout de suite là. Parce que je suis vraiment. Je comprends pas ce que vous avez dans l'espace commentaire. De nombreux commentaires par rapport à mes pompes, je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Aujourd'hui, je sens que je suis très à l'aise au niveau de mes pompes. Je comprends pas. Un replay peut-être, et je trouve ça extraordinaire ce que j'ai fait. On passe au diamant, les gars. Allez, on passe au diamant. Bon, je vais me concentrer sur la route parce que la chute peut arriver à tout moment, les amis. Allez, on se voit à l'autre bout. Les amis, nous arrivons à la fin de la rive. Regardez-moi ça. L'impasse. Du coup, regardez, je sais pas si vous allez voir. Nous, on va essayer d'aller là-bas. Là-bas, il y a le port. C'est notre mission du jour. Ça nous prend une heure, un truc comme ça, je pense. Mais on est préparé pour ça parce qu'on est des putains d'hommes. Je suis un Autobot. On se retrouve à mi-chemin pour relire un satané. Oui, putain, la vache, tu vois, faut que je me concentre. À... Merde! Les amis, vous voulez une petite anecdote? Regardez, je vous mets deux photos à côté! Et ouais. Le roi Messi lui-même, les gars. Je suis les traces de Messi, vous pouvez le dire en commentaire si vous voulez. Je suis un Messi. Merci à vous. Petite pause pour moi, petite pause pour moi. Reprenons les commentaires. Donc là, on va faire deux pierres deux coups. Belle expression. On va passer au jeu des familles, les gars. On vient chercher la famille Cholet, on a le mousse. Qu'est-ce qui nous attendait? Eh ben, on a le Bastien, gros, le Batinou, frère. Qui vient nous chercher encore une fois sur un beau commentaire. J'annonce, prochaine vidéo, en top tendance, aux côtés de Thibaut. Et je l'espère, mon bat. Il arrête de courir quand je parle. Ça me fait plaisir, il manque plus que le fil. Le filou, gros. Le filou qui est dans sa planque, gros. On sait où il est. Le daron. Et j'aurais fait toutes les cholets et ça me ferait super plaisir. La reine a une sœur. On part de Lucie Aronze. Je veux lire deux. Ouais, mais je crois que, en fait, les deux, elles sont trop fortes, en fait. Waouh! Quel personnage oh, en couleur. J'aime suivre les aventures de ce nouveau youtubeur qui nous partage ses journées si productives comme aujourd'hui. Elle parlait de. Les Chinois ne peuvent plus me saquer. Ou il allait simplement acheter une ardoise. Et ouais. Je sais que ça peut plaire aux filles, les ardoises. Bah, j'ai l'impression, en tout cas. Ça fait deux pour le prix d'une. J'ai aimé cette phrase, on grandit ensemble, qui en dit long sur ton état d'esprit. Et on passe sur une autre. Là, on est sur du vlog, ces patates ont failli me coucher, du coup. Un grand vlog qui vous a extrêmement plu. Ce vlog va être complètement différent parce que je suis complètement dehors, je suis pas du tout chez WAM là. Beaucoup moins drôle, j'imagine. Mais on fait ce qu'on peut hein, tant qu'on a la joie de vivre. Hein. Pas besoin de rire tout le temps, tu sais. Allez, on se le dit ce message. Je me délecte en regardant ces vidéos remplies de bonne humeur et productivité. L'achat de l'ardoise a été très utile à la vue de ce programme bien rempli. Cette salope, gros. La salope. On voit l'investissement avec le montage et les sous-titres, malgré qu'ils ne soient pas toujours bien... Chier, gros, je donne tout à chaque fois pour l'orthographe. Il y a même Riverso, je vous l'avais parlé de Riverso. Ils me la foutent dans le cul, ces salauds. Je vais arrêter ces conneries, merde. Pouce bleu pour le fond d'écran incroyable avec Jenna Aiko, continue ainsi. Et c'est vrai que Jenna Aiko, dans une autre vie, je crois, et je sais même que c'est ma femme. Bah bon, on se retrouve sur la route, qu'on repart un peu. On s'approche du port là, je le vois de tout près là. Ça va faire bon. Allez, bientôt une heure là qu'on roule plutôt. Et bah écoutez, le port est juste là. On se retrouve au port les gars. Ça se passe pas comme prévu du tout. Le port il s'éloigne de plus en plus gros. En fait j'avais vu un port mais c'est un port de voile. Le port il est encore beaucoup plus loin gros. Et qui me fait de l'œil là, je le regarde gros depuis tout à l'heure. Petite pute. Mais très belle vue en tout cas hein.
Nous sommes arrivés au port. Regardez-moi ça. Ah mais mec, on dirait il est méga loin, mais il est là. Voilà, ça c'est mon œil. Et encore, vous êtes encore loin. Bon, on est au port là. Arrêtez de casser les couilles, la merde. On s'est arrêté à la plage. Tchou-tchou. Ah mais il fallait, y en a un qui voulait sortir de la grotte. Hein. Aïe, oh putain, il y a des picots dans le cul. Quel enfer le roller là. Regardez tout ce qu'on a fait là. Voilà, c'est là-bas. On est parti de la petite tour et encore plus loin. Beaucoup plus loin même. Ah. Je peux plus bouger là. Je vais rester une demi-heure là mon gars parce que j'ai une heure et demie là pour entrer. Je vous mettrai une photo de mes pieds fin de vidéo. T'as pas envie mon gars. C'est l'odeur et tout. Maintenant qu'on a fait ça, il serait temps d'aller voir nos nouveaux commentaires. On a Marwa qui nous dit micro cravate là. Ouais, faudrait que j'en achète mais gars, laisse-moi tranquille frère. Là, oh. Après on a... Oh ta gueule Leval. Leval gros. Oh Leval. Leval de BCN gros. Le haut gratin de l'humour. Du charisme, du montage efficace. J'aime beaucoup, tu mérites 3 456 761. Abonné, mais oui, mon Val, oui. Ah oh, mais je suis d'accord avec toi, gros. Je comprends toujours pas, gros. Je suis à 37. Merde. Oh, abonnez-vous, la merde. Après, on a le big, hein, l'homme le plus intelligent de cette terre, Noé, qui vient nous chercher sur la présence signe. La présence scénique est fantastique. Et là, il commence avec un mot qui je connais pas, ça me saoule. Les blagues s'enchaînent et sont plus hilarantes les unes que les autres. Je suis déjà un grand fan, mais le big. Merci à toi, mon big. Et on a Genèse. First. Ta mère. C'était cool, ce type. Genèse, encore une fois. T'allais compter. Pas rien. Quoi, coupé. Non, mais Genèse, merde. Sale ambiance. Quoi coupé ? Oh, je me fais rire. On a le dernier, le pouce. Monsieur Alexandre, qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Alexandre ? L'ardeur d'état, je zourais où ? Ouais, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Non, mais vous avez raison. Malgré ça, je me suis fendu la poire sur cette vidéo. Et j'ai déjà hâte que tu sortes la prochaine. Tu es une vraie source d'inspiration. Tu me big up dans la prochaine vidéo, STP. Alexandre, sur cette vidéo, elle est pour toi celle-là. Non mais on peut se dire au revoir les gars. Regarde-moi, attends. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Et à bientôt pour la suite. Ciao.